La fin du monde. Pas du tout. Ah, est-ce que mon thé est buvable du coup? Bon. Vers le palais du soleil. Hein. On s'était arrêté là, on avait fait l'énigme, mais du coup après, bah moi j'étais repartie en arrière faire tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Ah, d'accord. Quand je veux m'en aller, il se passe des choses. Jen, au palais du soleil conduit cette porte. Jamais elle n'a été fermée de la sorte. Y aurait-il quelques indices par bonheur? Eh bien, là se dressent les quatre explorateurs. Donc, tac. Elle est scellée par l'obscurité? Très bien. Mais je peux rentrer en vrai. De toute façon, par là, on y avait été. Hein. Non, je suis pas en train d'essayer de faire durer le jeu. C'est faux. Hop, allez, on entre. C'est parti. On verra bien. Alors. C'est bien, nous, du coup, John. Mais non, Asdra, me dis pas que c'est court. Oui, j'ai pexé comme une folle. Mais bon, non, 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 non. Je rentre, c'est parti. Nouvelle zone. Découvrons. Waouh. Waouh. Alors, je vous rappelle, bien évidemment, carte. Alors là, vous le verrez pas, mais mer de Sinbel dans la zone. Poudre d'étoile, 10 sur 15, donc il m'en manque 5. Coffre, 65 sur 97, donc il m'en manque un paquet, je compte pas. Et confession, il m'en manque plus qu'une dans tout le jeu, elle est ici. Donc si on tombe dessus là en le faisant, c'est cool. Sinon, je vais pas vous embêter 15 ans, je pense. J'irai. Ah bah là, déjà, on a un coffre ici. Je crois qu'il peut l'ouvrir. Non? Ok. Ouais, c'est ça, lol. T'as raison. Si tu savais tout ce que je fais en même temps, tu dirais pas ça. Après, le stream, c'est différent. Vous lire, se concentrer sur le jeu, et c'est pas tout à fait la même chose qu'être, entre guillemets, capable de faire ça. Pour la vie de tous les jours, malheureusement, je fais 50 choses en même temps. J'ai pris le combat parce que j'ai envie de voir ce que ça rapporte niveau XP en fait par ici. C'est vrai qu'en plus j'aurais pu pexer dans cette zone, mais bon bah là par exemple on aurait eu un petit bout. Vous auriez raté un petit bout. Un petit bout d'histoire. Alors voyons voir. Tu donnes beaucoup d'XP ou pas? Ouais, alors en plus l'XP, je vous le dis, c'est moins que ce que je gagnais à l'endroit où j'ai pexé. Donc sans regret. Je ziote hein, pour les poudres et les... Et tout ça, ne m'en veuillez pas. Voilà, il y a un coffre. Mais on peut pas passer, là, il y a un mur, en fait. D'accord. Il y a un mur. Là, il va y avoir quelque chose à voir. Je me promène avant de faire le bon chemin. Hein. Je découvre. Là, on venait bien d'ici. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ici, c'est fermé aussi, mais est-ce que simplement ça, ça suffit à ouvrir la porte? Ouais, d'accord. Je me demande à quoi va servir celui du dessus, certainement pour plus loin. Parce que là, il y a quelque chose pour ouvrir ou pas, qui serait caché. Donc c'est pour le deuxième, parfait. C'est... D'accord, on va remonter, on va activer le levier qui va ouvrir la deuxième porte. Puis il va falloir que je rouvre ça pour activer la première et passer. C'est un truc de timing encore. J'espère juste que ma main va arrêter de trembler. Ça ira plus vite. Voilà. Tac. Iniculus, où es-tu? Voilà. Je sais pas combien de temps on a. Ouais, d'accord. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, ce que je vais faire, est-ce que je peux... Comment je peux gruger? Est-ce que je peux gruger? Il y a un trou pour ouvrir, tu étais trop haut. Où ça, Alexis? J'ai pas tout suivi, là. Je n'ai pas tout suivi. Je vais déjà placer Iniculus ici. J'espère juste... Je vais attendre. Je vais le placer là. Parce qu'avec ma main, j'ai peur de sinon devoir recommencer 50 fois. Donc on va éviter. On va le placer là. Voilà. Hop.
Oh, il s'est barré. Non, c'est pas cool, franchement. Oh, je vais jamais y arriver, en fait, je vous le dis. Le timing est trop rapide et j'ai pas la... J'ai une mobilité tellement merdique, là, que... Je pense que je vais me foirer un certain nombre de fois. Bien, on est reparti. Allez! Merci. C'est bon. On est passé. Hop, on va aller chercher le coffre. Ouais, j'ai lu, mais c'est bon, les gens. Vous allez voir, c'est passé. Merci de l'idée. Je l'avais eu aussi, mais je pensais pas que ça me ferait gagner du temps, en vrai. Parce qu'il faut quand même que je replace Iniculus et tout pour le faire. Donc je pense qu'au niveau temps, ça serait valu. Là, j'ai fait au mieux. Et c'est passé. Ils sont beaux, les mobs, ici, hein. Ça change. Là, l'XP était sympa. Là, l'XP était sympa, clairement. Ding. On en est où, du coup, de là? C'est pas ça que je voulais. Je voulais voir où on en était. Il manque encore 30 coffres. C'est énorme. 30 coffres dans la zone. Non, mais attendez, en vrai, c'est pas possible. La zone est beaucoup plus grande que ce que tu crois, Asdra. 30 coffres ici. Et 5 poutres d'étoiles et une confession. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. Je peux aller en haut. Est-ce que j'ai des choses à voir par ici? Ah, bah là, il y a une poudre. Donc, une de moins. Je vais commencer par aller en bas une fois que j'aurai fini le combat. Commencer par tuer du mob, c'est ça, exactement. Ça va, c'est pas trop long. Ça passe. Ici, ouais, on doit pouvoir aller plus bas ici dans les zones. Là, c'est d'où je viens. Tac, tac, tac. Alors. Non, on peut pas passer par ici. Il y avait juste le petit. Alors, et là. Bon, là, c'est pas pour tout de suite, visiblement. La caisse sert à quoi? Je suis en train d'essayer de réfléchir ce que peut bien m'apporter la caisse. Bloquer la porte peut-être, je sais pas, quand on passe de l'autre côté. Parce que là comme ça, la caisse sert à rien. Je pense, je vais même certainement anticiper que quand je vais l'ouvrir de l'autre côté, si c'est réellement la bloquer avec la caisse, peut-être, au moins elle sera déjà là. Voilà. Tac. Alors. Ah, il y a un petit coffre. Alors là, on peut aller. Oui, bah d'accord, il y a des coffres. S'il y a des coffres partout comme ça en même temps, les 30 vont être vite, vite trouvés. Mais non, je l'ai pas loupé, là. Je suis pas encore allée dans cette zone-là. Il y en a un là. Je veux juste être sûre de ne pas rater des. On arrivait de là. Celui-là, il est ouvert. Celui-là, il est ouvert. Là, je monte. En premier, je monte et je m'attaque à la gauche d'abord. De là où on vient. Ici, il y en a un. Ah, mais il y en a partout. C'est la fête. C'est la fête. Non, mais par contre, les popos, en vrai, j'en ai déjà 10 fois trop. Si vous pouviez les garder, ce serait sympa. Ouais. Wow. Joli. On va se le faire celui-là. On va voir. On va lui casser le nez. Non.
Pourquoi le ventilateur ne suffit plus là? C'est quoi Pourquoi il fait 8000 degrés? J'ai réussi à te mettre la chanson de lumière dans la tête. La chanson de lumière? Ni? Woot? D'accord, alors ça nous ramène et apparemment... J'hésite à le prendre maintenant celui-là, mais bon. Parce que je veux être sûre d'être passée... Je pense qu'il y a une petite zone là sur la... Ah non, celui-là il est pris. Donc ça veut dire qu'on est passé aussi. J'ai peur de rater... Ah mince, je passe vite. Cette zone-là... J'essaie de voir vers où on est. D'accord. Attaque surprise, c'est normal, attaque surprise, c'est-à-dire c'est moi qui fais l'attaque surprise, lol. C'est pour ça que si je lui rentre dans le dos, ça fait une attaque surprise, ça veut dire moi, pas le mob. C'est comme ça depuis le début, hein. Oui, je voulais pas. Bon, donc ici j'ai... Est-ce qu'on peut les arrêter, celle-là, ou pas du tout? Alors pas du tout, il semblerait. Donc je vais essayer de... Ah, forcément, au bout d'un moment... ouais. Alors. Mais c'est super grand en vrai, c'est normal qu'il y ait encore des coffres partout. Ouais, donc les 30 coffres vont être vite faits, hein, clairement. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça m'ouvre la porte d'en face. Ici j'ai un mur, donc en fait je vais... D'accord. Ouais mais non, parce que là-bas, là, ça ressemble à une zone de fin, hein. Moi, je vais pas là-bas. Hein. Je vous le dis. Il se passe des choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, la caisse, faut l'amener ici. Maintenant, on le sait. Bon, bah voilà. J'avais bien fait de l'avancer. C'était bien le but. Tac. Hop. Bah tu lui feras un coucou aussi du coup, Cindy. Fais-lui un coucou. Attendez, je vais... Je les ai déjà prises. Ah, parfait. Parce que si malencontreusement, je tombais sur la salle, l'endroit, peu importe, et que ça déclenche le combat final... Ah d'accord, il m'entend, parfait. Si ça a déclenché le combat final, j'espère que je pourrai aller chercher tout ce que j'avais pas réussi après la fin. Voilà. Sinon, bah tant pis. Ce sera la tristesse d'une femme. C'est bien, ça donne plein de... Très bien. Parce qu'il y a des choses cachées dans le plafond. Donc là, ici, cul-de-sac. Alors attendez, faites voir l'avancement un petit peu. 74 sur 97, 12 sur 15. Et alors oui, on n'a toujours pas trouvé la confession. Pour le moment. Ici, ça me fait retourner... Mais du coup, elle reste ouverte maintenant, cette porte. Mais ça, c'est très bien, parce qu'en fait, moi, je voudrais bien revérifier dans ce coin-là, selon le chemin que j'ai pris, ce que j'ai pu rater. Ah oui, d'accord, Cindy. Ah, ça pète, ça. Ah, merci pour le heal. Très bien, Mika.
Merci pour cette blague de qualité. Pour la confession, il faut que tu trouves un curé. Parfait, parfait. Bon, on va t'écouter, lol. On va faire ça. Attends. Aïe. Comme ça, ce sera fait. Voilà, ça ira bien. Oh, mais cette chaleur, quoi. J'y crois pas. Donc ici, j'y repasse juste pour vérifier que j'ai pas oublié un recoin. Là, par là, on y avait été. Si on éclaire, y a rien d'autre. On va repasser ici. Oh, je peux carrément retourner là, jusque là, normalement, déjà. Peut-être là au-dessus, mais même pas sûr. Ça c'est ouvert. Non, bah écoutez, je crois qu'en tout cas, moi de ce que je vois ici, j'ai pris les coffres et les poudres qui étaient visibles. Ici c'est fermé. La salle que je vois sur le côté ne me dit rien qui vaille. J'en vois peu, mais ça suffit pour me faire dire que voilà. Alors attendez, du coup celle-ci s'ouvre comme ça. Par les étoiles, Aurora, regarde-toi. Le teint clair et les cheveux brillants. Quel gâchis qu'une lignée de second choix ait engendré si bel enfant. Oh là là, c'est chaud. Très bien. Toujours aussi gentille, elle. Une princesse ne souille jamais ses habits et ne fréquente ni cloporte ni vaurien. Comment oses-tu insulter mes amis ? Vraiment, tu n'entends rien à rien. Les traîtres de ton genre n'ont nulle leçon à donner. Je suis bien d'accord avec Aurora. Cette fois, c'est sûr, j'en ai assez. Tu devrais avoir honte, Aurora. Donc, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est sa sœur. Hein. Voilà. Je vais en finir avec toi. Ah oui, bah écoute. Je peux plus rien faire. C'est plus... Ah, la confession! Non! La confession! La confession! C'est bon, on l'a. Alors, ici, il doit bien y avoir des coffres. Ouais, moi, je la poursuis pas, hein. Je suis comme ça. Voilà, je me fais mon combat, je vais chercher mes coffres, mes poudres. Ah là là, donc, visiblement, boss final, certainement sa sister. En même temps, on s'en doutait un peu. On va voir. Peut-être en plus, hein, ça se trouve, je me trompe. Hein. Elle a un super gros monstre dans les poches et elle va me le sortir, genre Pokémon, et voilà. Allez savoir. Très bien, Mika. C'est pas gentil, ça, Alexis. Alors, un petit coffre. Pourquoi il y a du vert partout? Qui s'est soulagé là? C'est bizarre, la fumée là. Je pense que Soon, on va faire un point oculier aussi, hein, messieurs, dames, je vous le dis. Parce que là, on a certainement de quoi faire des trucs bien. Et comme ça, on pourra utiliser tous les persos au calme. Ah ah, bonjour les petits coffres. Mais ça me fait perdre des PV en fait, cette zone. Regardez. C'est ça que ça fait la fumée verte là. Et moi, je prends mon temps. Ok, LM. Rien à foutre. Normal, tout va bien. Ah, un autre coffre. Alors, on va ouvrir celui-là. On va faire le mob. Oui, voilà, la fumée, l'espèce de fumée verte me fait perdre des PV en continu. Ça va, ça a pas l'air trop violent comme... comme des gènes, ça va. Ah,
Ah, d'accord, Alexis. Oui, moi j'avais pas compris ça. Effectivement. La violence des persos qui ont beaucoup trop excès. M'en fous. Moi, je préfère faire comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on va regarder bien en haut s'il n'y a pas d'autres choses cachées. Alors, ici, c'est fermé. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça va bien pouvoir s'ouvrir à un moment, là. Ah, parfait. Il y a plein de coffres encore là. Alors, faut que je pense régulièrement à healer au roi, sinon on va mourir comme des bouses. Et ça va être décevant. Allez. Tac. En vrai, j'ai besoin d'aller là ou pas? Je vais quand même tester. Tac. Ouais, on peut ouvrir par ici. Oula. Mais non. Tu peux lâcher maintenant? Mais elle veut pas lâcher le truc. Bon, zut. Mais pourquoi elle lâche pas le bouton? Eh oh! Non mais meuf, tu le lâches le bordel ou ça se passe comment? Merci. Pourquoi pas? Elle était accrochée à la... Ah, un petit coffre au-dessus. Ok. Du coup, on y retourne. On va certainement devoir faire la même chose de l'autre côté. Tac. Aïe. C'est pas gentil, elle essaye de m'empoisonner. Hein. En fait. Parce qu'en bas, il n'y avait pas un. Je vérifie bien que j'ai rien raté aussi dans cette zone-là. Là, ça doit être là pour passer. En bas, j'avais trouvé un coffre et c'est tout. Parce que dans les zones d'ombre, non, rien du tout. On ne peut pas descendre ou quoi. Ok, en hauteur, sûr et certain qu'ici, il n'y avait plus rien. Il y a un coffre là, machin, machin. Faut passer. Alors, on passe. C'est parti. D'huile. Ouais, là, il y en a besoin d'huile. Hein. Oui, en m'empoisonnant. Avec du gaz, je sais pas quoi, là. Tac. Un coffre. Alors, par curiosité, ah, pas du tout. Ah, je peux plus regarder la carte. Je suis coincée ici, je pourrais pas savoir si j'ai tous mes coffres, toutes mes poudres et tout. Non! Oh, la tristesse. Bon. Bah voilà, hein. Déçue, Letty. Choquée, déçue. Tout ça. Tristesse. J'ai pas tout suivi, Mika. Je veux que vous parliez d'un truc, mais j'ai envie de finir le jeu tranquillou. Je vois que ça doit être encore une histoire de commande de bot. Donc, une autre fois, on en rediscute si vous voulez. Vous le notez dans un coin et vous m'en reparlez. Mais j'ai pas une histoire de porte et de commande, je pense. Si,
Par contre, t'as le droit, quand voilà, quand t'as fini, t'as le droit de lâcher le bordel. Merci madame. Mais on en reparlera si vous voulez. J'ai pas assez suivi pour le coup ce que vous vouliez pour dire oui ou non maintenant. Une femme choquée et déçue, bah un peu, hein, plus d'accès à la carte, plus moyen de savoir si j'ai tout trouvé. Voilà, voilà. Tac. Alors, on y va, en espérant n'avoir rien manqué. C'est rigolo, je peux les faire bouger. Cherchez pas, je rigole pour rien. Tiens, allez, on va se faire un petit mob. Profite, c'est peut-être notre dernier combat XP du jeu. Tristesse. Ah, la fumée et le retour. Donc là, c'est bon, on peut passer. Ah, d'accord. Ah, ça va pas me plaire, ça. En plus, il y a des coffres. Non, et moi, je suis pas d'accord. Je l'ouvre comment? Et le... Oh. Oh. Oh, la déception d'une femme qui a regardé tous les coffres et qui est morte comme une merde parce qu'elle voit qu'elle pourra pas avoir les coffres. Et mais on fait comment pour les avoir, ces coffres-là? Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse gaffe pour le passage. Mais moi, je suis déçue. Hein. Je suis un peu déçue, là. On les a comment, ces coffres-là? En vrai? Putain, la déception! Non, mais attendez. J'ai pas envie d'avancer, en fait, parce que je voudrais vraiment, genre, essayer de... Mais ouais, Azdra, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que la Luciole, elle suit l'écran. T'as pas vu comment elle montait? Attends, je vais essayer de la mettre là sur le côté. On va voir si elle va monter tout droit. Mais oh, cette déception, quoi. Faut que je prenne du temps, en fait, comme ça. Oh, mais j'y arriverai jamais, hein, en vrai. C'est même pas la peine. Les coffres, je pense que les coffres, je leur prends toute seule, là, pour le coup. Oh, la foire! La foire au coffre. Ouais, non, c'est pas possible. J'ai eu le premier, mais... j'ai eu du mal à les choper aussi. Ouais, je vais pas vous imposer ça 25 fois. Ah, mais là, la découverte des coffres sur le côté que j'allais devoir rater m'a valu un beau game over, hein, bien sûr. En même temps, c'est la déception. Donc, du coup, les coffres qui me manquent, je sais qu'ils seront là en bas. Hein. Je peux pas y retourner en trichant? Ah, mais si! Attendez. Mais bien sûr que si! Mais c'est parfait! Regardez-moi ça. On va les avoir. Il n'y a pas moyen. Voilà. Puis... Mais oh! T'as cru quoi, mec? Tac. Oui, je vais me rehealer. Merci, Alexis. Non, mais attends. Moi, je vais laisser les petits coffres derrière moi? Non. Je crois pas, non. Voilà, donc ça s'appelle la gruge, en fait. Il suffit de pas essayer de les prendre au premier coup. Et après, tu les prends comme ça, en mode grosse gruge. Je crois que je les ai tous eus, là, du coup. Parce que le premier, j'ai réussi à le choper dans un élan de... Ah, une poudre. Merveilleux. Est-ce que je peux toujours pas voir la carte? Ah, si, je peux revoir la carte. Oh là là, c'est le bonheur. Alors... 13 poudres sur 15, il me manque encore 2 poudres. 4 confessions sur 4, on l'a eu. D'ailleurs, on a toutes les confessions. Je sais pas si vous voulez qu'on les lise, on les lira peut-être après, comme vous voulez. Si vous voulez pas, moi je les lirai de mon côté. Voilà. Et les coffres 88 sur 97. Ouais, donc il en reste encore. Hein. Il en reste encore. Je vais continuer à descendre doucement, mais sûrement. Tac. Celui-là, il est ouvert, c'est bien ce que je disais. Donc le premier, j'ai réussi. J'ai envie de dire qu'on a tout, là, hein, non? Je vais essayer de bien éclairer, en fait, le côté, pour être certaine qu'on n'a rien loupé. Alors? Non, mais oh. En fait, il suffisait juste de passer, quoi. Une fois, et une fois que c'était passé, les coffres, tu les rates pas, tu peux redescendre. Ça va. Vous m'avez pas trop frustré, pour le coup, du coup, le jeu, là. Ça aurait pu être pire. Moi, j'ai eu peur.
pendant un instant là, j'ai vu la fin du monde. Hein. Genre, tu me mets 15 coffres sous le nez, mais nope, tu les ouvres pas. Mais à quelle heure? Bon bah alors on monte, hein.